Eh bien, salut tout le monde, c'est CryzXR et on se retrouve pour une petite vidéo. Oh merde, je me suis fait piquer mon hélico, c'est pas grave, on va prendre autre chose. Sur la bêta de Battlefield Hardline. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo. Je l'avais expliqué, j'étais en période d'examen, donc j'avais pas le temps du tout de faire une vidéo. Mais là, je suis de retour car j'ai fini mes examens. Je suis vraiment content que ce soit enfin terminé. D'accord, je suis en tireur. Certains sont peut-être déjà en vacances, je vous dis tant mieux. Et peut-être que d'autres sont encore en période d'examen, donc je vous dis bon courage, c'est bientôt terminé. Comme je l'ai dit, nous sommes sur la bêta de Battlefield Hardline. Je vais plutôt donner mon avis sur cette bêta qui, franchement, est vraiment pas mal. Ouais, on prend de l'argent. Donc là, je suis sur la map. Il n'y a qu'une map disponible sur cette bêta. Et la map s'appelle High Tension. Mais par contre, nous avons deux modes de jeu. Le Blood Money, donc celui où je suis en train de jouer. Et le mode Haste. Ça, je sais plus trop c'est quoi. Non. Ah, on va chez nous là. J'ai vu un gars. Merde, véhicule. Wow! C'est des malades! Non. J'ai cru pouvoir avoir le gars à la mitrailleuse, mais non. Franchement, si je devais mettre une note sur cette bêta, ce serait la note de 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? C'est pas une note meilleure ou quoi? Tout simplement parce que les maps sont assez petites. Enfin, ça c'est mon avis, mais je trouve que cette map elle est un peu trop petite. Et aussi, sur tous les serveurs que j'ai pu regarder, il n'y en a aucun qui proposait des parties à 64 joueurs. Donc, à mon avis, ce Hardline va plutôt être centré sur du 32 joueurs. Donc du 16 contre 16. Allez, voilà. Enfin, du moins, j'espère que ce sera que c'est uniquement pour la bêta et que ce soit et que c'est dans le jeu final. Oh, shit. Bon, ouais, aussi le tir comme ça avec la grosse batteuse, c'est pas très très précis. Plutôt changer de classe. On va prendre le médecin, tiens. Avec la fameuse M16A3 qui est de retour. Non, on va prendre la G36. Voilà, on va l'équiper peut-être de quelque chose. Un viseur réflexe peut-être. Ah non, même pas, je peux pas. C'est pas grave. En secondaire, on va garder ça, le pack de soins. Ça, oui, les nouveautés. Nous avons un masque à gaz parce que oui, on peut mourir asphyxié par du gaz toxique. Là, nous avons un grappin, la tyrolienne et là, le pistolet taser. Je vais prendre le pistolet taser, tiens. Là, la grenade et les fameux gaz asphyxiants. Là, je vais prendre la batte de baseball, tiens. Ça va être rigolo, la batte de baseball. Et on va prendre. Ouais, c'est l'hélico qui tire. Là, nous sommes les policiers contre les criminels. Donc, ça, je l'avais pas précisé. Donc, exit les guerres entre nations. Et le principe de ce mode de jeu, donc Blood Money, est de aller prendre de l'argent dans la banque. Donc, vous pouvez soit prendre de l'argent dans la banque, soit. Dans le fourgon blindé de chez l'ennemi et le rapporter dans votre fourgon. Et c'est celui qui atteint la jauge maximale d'argent dans son fourgon qui l'emporte. Donc des fois ça peut aller très vite les parties. Mais des fois ça peut prendre tout le temps imparti. Voilà. Ça c'était géré. On va plutôt les piquer l'argent. Dans la banque. Ah là j'ai vu un gars. On va aller s'occuper de lui.
Allez. Non! Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire mieux. Sinon, niveau graphisme, c'est les mêmes que Battlefield 4, logique, puisque c'est le même moteur graphique. Et qui dit moteur graphique de Battlefield 4 dit le fameux l'évolution qui est encore une fois présent. Regardez, le. Hop. Le l'évolution de cette map, c'est la grue qui s'effondre juste devant moi. Regardez, hop là. C'est assez impressionnant de voir ça. Et on me tire dessus. Ah d'accord, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Non, je vais pas tomber. Je vais aller dans le bâtiment. Parce que oui, une fois la grue effondrée, elle pète une partie de deux bâtiments. Et on peut l'utiliser pour rentrer dans les bâtiments. Donc ça, c'est assez bien. Ça, c'est des ascenseurs en service, ouais. On va prendre l'ascenseur. Sinon, quelque chose qui est vraiment bien dans ce airline, que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait de pouvoir. Allez. Par exemple, je manque de munitions et je demande un pack de soins. Mais souvent, enfin, parfois, les mecs ne pensent pas à vous donner un pack de soins ou une caisse de munitions. Et ce qu'on peut faire, donc, par exemple, je vais à côté d'un médecin. Et j'appuie sur la touche E pour prendre de la vie automatiquement sans qu'il soit obligé de me donner de la vie. Donc ça c'est vraiment... Et c'est idem pour les munitions, donc ça c'est vraiment un truc super bien. Ça je l'ai pas dit. J'ai changé de micro parce que je ne sais pas pour quelle raison mon micro ne fonctionnait plus. Donc j'en ai profité pour acheter un nouveau micro. Franchement je suis pas déçu de mon nouveau micro. Et je m'excuse également si... si... Oula. C'est ici qu'on va prendre l'argent. Je m'excuse si vous entendez le son de ma voix beaucoup trop fort par rapport au son de jeu. Ça, je dois encore paramétrer ça par rapport à mes vidéos. Donc, je vais essayer sur cette vidéo et on va voir si... si c'est bien, si le son de ma voix est trop fort par rapport au son du jeu. Ben j'augmenterai le son du jeu et je diminuerai le son de ma voix, ça c'est pas un souci. Allez, viens avec moi, toi. On va rapporter l'argent. Non, pourquoi tu... D'accord, on va conduire comme ça parce que mes vitres sont pétées. Non, mais les voitures de police sont trop stylées, ceux-là. Ouais, je les aime bien. C'est quoi, vous tirez sur quoi là les gars? Voilà, cache déposé. On est en train de gagner la partie, donc ça c'est tant mieux. On va prendre la voiture de police. Ruban. What? J'ai vu un truc. C'est quoi cette boule? Ah d'accord. Assez bizarre. Bon, on va piquer un peu d'argent chez les ennemis parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent dans leur fourgon. Après, faudra aller rechercher à la banque et je viens de voir un véhicule ennemi passer juste devant moi. Et qui me... D'accord, qui vient de me détruire. Bon, en même temps, vous avez vu la grosse mitrailleuse qu'il y a là-dessus, quoi. Il y a un mec qui dit d'essayer de prendre chez eux. On va essayer, mon ami. On ne promet rien. Regardez, là, il y a des casses toxiques. On va essayer de pas s'en approcher. Bon, apparemment, il y a des ennemis qui sont en train de venir chez nous. Je pense que j'ai envie de me faire buter encore une fois. L'ennemi RPG dort. Aïe aïe aïe. Oh, il a la P90, sérieux? Bon, en ce qui se concerne mes projets, je compte toujours continuer à faire mes vidéos sur YouTube. Continuer les let's play sur Resident Evil Révélation. Concernant The Evil Within, le jeu devait sortir le. Ah, il va le faire péter.
Voilà. Il devait sortir le 29 août, mais finalement le jeu sera reporté au 24 octobre, je pense. Bon, c'est un retard de 2 mois, c'est pas la mort non plus. Comparé à Watch Dogs, qui avait pris un retard de 6 mois. Voilà, là-bas, il y a des ennemis. Mais sinon, j'aime bien cette bêta. Ah, c'est un hélico en haut. Et si on essaie de taser quelqu'un? Bon, jamais, jamais réussi à taser quelqu'un. Enfin, si, j'ai réussi à taser un gars. Mais je m'étais vite fait buter par un autre gars, donc j'avais pas le temps de le tuer ou de le menotter pour l'arrêter. Donc, on va essayer. Notre base, elle est là-bas. Allez. Voilà. Non, ça a foiré! J'ai vraiment cru. Oh merde. En plus, mon argent et tout, je l'ai perdu. Bon, on va arrêter de faire les cons avec le taser. En fait, cette vidéo, c'est un peu une présentation de la bêta et des nouveautés et tout. Donc, attendez, on va prendre la tyrolienne. Et on va s'amuser à aller de toit en toit. Bah écoutez, on va prendre chez les ennemis, hein, surtout que la partie est bientôt terminée. What the fuck? C'était quoi ça? Oh les gars, j'ai une idée. Merde. Mince, je vais l'essayer de le tuer avec ça. Et merde, je me suis fait cramer. J'avais essayé de le tuer avec la tyrolienne, on sait jamais ça. J'ai jamais vu ça dans une vidéo. Je pense que c'était le moment de l'essayer, mais c'est raté. Ouais. Go to our vault, d'accord. On va retourner chez nous parce que on a perdu de l'argent. Je crois que je l'ai pas vu. Ah oui, apparemment il y a beaucoup d'ennemis. Prenez son argent, les gars. Non! Encore! Ah, le Uzi! Ça, je pense pas qu'il était dans un seul BF. The battle is more stuffy than Watch Dogs. Quoi? D'accord, il y a. D'accord. Un mec qui n'aime pas Watch Dogs, apparemment. Ou alors qui troll, tout simplement. Holy shit! Ah d'accord, c'est autrement pour l'accès Riva, il va être trop tard. Bon là je fais un peu de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Arrêtez d'étouffer s'il vous plaît. On va prendre l'hélico. Et on va... Je vais vous montrer la tyrolienne pour aller de bâtiment en bâtiment. Ça va mon gars? What? Ah d'accord. Ah. Écoutez, où est-ce qu'on va aller? Ah ouais. Bon, écoutez, on va aller là. C'est juste pour vous montrer. Youhou! Regardez, vraiment stylé. Oh, je me suis pris le bâtiment en plein dans la face.
Ah bah apparemment la partie va se terminer. Et on va gagner apparemment. Enfin, on est en train de gagner donc à mon avis ce sera oui. Mais what? Mais ils font mal ces gars. Encore du gaz toxique. Comme si ça ne suffisait pas. Je vais peut-être montrer le sniper. Non, je vais retourner en soutien. What? Ah. Le truc avait mal spawn. On va prendre de l'argent quand même. Ouais, là on est à 200. Ah, oh, un hélico tout juste. De quoi pouvoir rapporter l'argent. Oh, GG. Ah non, la musique elle est vraiment stylée hein, quand ça annonce la fin de la partie. Surtout quand on va gagner, c'est assez épique. Allez, je rapporte de l'argent, les gars. Ah, voilà. Nous avons gagné. GG. Et donc, voilà, on va se laisser ici pour cette vidéo de retour. Je reprends les vidéos, hein. L'épisode 3 de Révélation, ce sera... Attendez, on est quel jour aujourd'hui? On est mardi, jeudi ou vendredi. Ça devrait aller. Merci à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!